Monsieur Potter. C'est pourri, gamin. À la boulette. Mon précieux, mon trésor. C'est trop calme. Eh ben, nous aussi, on a bien aimé. Touche pas mon Crispy, salope. C'est à terre. Il est protégé par la force. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinéma Egg, l'émission qui vous décortique les films à l'affiche. Pour vous, avec moi autour de la table des cinéphiles ce soir, Benoît, Jérôme et Cécile, merci à tous les trois d'être là. Au sommaire de ce Cinéma Egg, je vous propose un top 3 du box-office des Ciné-Palaces d'Épinal. Ensuite, nous parlerons des longs-métrages à l'affiche, justement, avec ce soir Les Magnétiques ou encore SOS Fantôme. Dans les news ce soir, Fred Astaire s'invite et nous fera peut-être quelques pas de danse. Nous entrerons dans la Matrice avec le visionnage de la bande-annonce finale de Matrix 4 qui sort dans quelques jours. Et enfin, je vous dirai quel chanteur anglais aura le droit à son biopic très prochainement. Vous avez la possibilité, comme vous le savez à chaque fois dans l'émission, de gagner vos invitations pour aller au cinéma, le jeu, la bande-annonce cryptée dans quelques instants. Et avant de nous quitter, je vous donnerai quelques pistes pour votre programme cinématographique avec les événements, l'agenda dans les Vosges. Voilà, vous avez le menu et nous, on commence dès maintenant avec le box-office du cinéma Palace d'Épinal avec son top 3. Et en troisième position cette semaine, c'est SOS Fantôme avec 537 entrées pour 5 jours. C'est pas terrible, ça pourrait faire mieux, mais ça fait mieux du côté du Disney puisque c'est Encanto qui est en deuxième position à Épinal. Pour deux semaines d'exploitation, le film enregistre 1378 entrées. Et enfin, le top 1, pas de surprise, c'est Les Baudins en Thaïlande qui cartonne tout en trois semaines, 4731 entrées. Ah ouais, c'est bon, il y a certains films qui mériteraient autant d'entrées qui malheureusement ne les atteindront jamais. Mais le vrai succès à Épinal cette semaine, ça a été les avant-premières du film La Panthère des Neiges de Vincent Munier qui a tout de même rempli 3 salles pour 904 spectateurs, rien que pour une avant-première. Le film sort le 15 décembre dans les salles. Allez, on commence tout de suite avec un film à l'affiche que vous avez vu ce soir. Cécile et Benoît nous parlent des Magnétiques. C'est un film réalisé par Vincent Maël Cordona. C'est un film franco-allemand qui vous raconte l'histoire qui nous mène dans une petite ville de province au début des années 80 où Philippe vit dans l'ombre de son frère Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu'ils vivent là les derniers feux d'un monde qui est sur le point de disparaître. On va regarder la bande-annonce, on en parle juste après. Marianne. Ça, c'est Philou. À l'époque, la voix, c'était toi. Moi, j'étais juste ton petit frère. Et ça m'allait très bien. La seule chose qui me préoccupait, c'est qu'on allait passer à l'antenne. Vous êtes sur Radio Varso, comme toujours. Ça va, Quentin? J'étais à fond pour Giscard. Bienvenue dans l'armée française, Philippe Bichon. Je crois que je suis amoureux. C'est la radio de l'armée, ça? Quand tu rentres en France, tu viens me voir à Paris. C'est pas la politique qui va changer le monde. C'est l'art, c'est la musique. T'es à Berlin, tu fais la radio. T'es exactement là où tu dois être. Complique pas tout. Les Magnétiques, toujours à l'affiche. Avant d'en parler, on fait un petit point sur la note du côté public sur Allociné, qui est bien notée, hein, 3,7 sur 5. Et on commence avec Cécile, qui va nous parler justement des Magnétiques que tu allais voir. Oui, alors les Magnétiques, moi je trouvais que c'était un film magnétique. Alors bon, il y a un jeu de mots avec magnétique, parce que bon, on est au début des radios libres, avec les cassettes audio, hein, pour ma génération. Nous, on savait rembobiner une cassette avec les fameux stylos. Alors, c'est un premier long métrage d'un réalisateur, bon, qui a déjà fait des courts, alors avec des titres improbables. Bon, c'est un réalisateur qui est sorti de la FEMIS.
Et bah, il veut reproduire cette ambiance de 1981. Alors ça commence avec l'élection de François Mitterrand, mais c'est aussi la fin d'un monde, c'est la fin du punk. Hein. En gros, c'est pas de futur. Alors je le dis pas en anglais parce que mon accent est épouvantable. Et on entre dans l'histoire d'une famille, mais surtout de deux frères. Deux frères, donc plus bon, un qui est très expansif, l'autre qui est plus mutique, mais qui s'exprime à travers bah, les manipulations, alors des cassettes. Alors moi j'ai pas tout compris, hein, mais les cassettes, les micros, bon c'est un génie en fait. Hein. Il s'exprime par le biais des machines. Et puis alors il tombe amoureux de la copine de son frère, bon, ce qui peut compliquer forcément les choses dans une famille. Et j'ai trouvé que c'était une belle chronique familiale. Alors, il est obligé de partir faire son service militaire à Berlin, hein, le temps où le service militaire existait. Peut-être que toi, tu l'as fait, Benoît, ton service militaire. J'ai fait un service civil, donc j'ai échappé à la caserne. Bon, et il est passé. Donc, il passe son service militaire à Berlin. Et là, il y a de magnifiques séquences, alors, très poétiques. Bon, il danse dans la cantine, dans le mess. Bon, moi j'ai trouvé vraiment que c'était un film fascinant qui reconstitue une époque. Il y a vraiment une précision dans les décors qui est assez étonnante et les acteurs sont formidables. Ouais. Moi j'ai un peu plus de réserve sur le film. Alors c'est vraiment un film que j'aurais voulu beaucoup plus aimer que ça. Et finalement je suis un petit peu resté sur ma faim parce que il n'est pas à la hauteur de la bande-annonce. Par exemple, dans la bande-annonce, on entend cette musique post-punk là. Et moi, je pensais qu'elle allait beaucoup plus bercer le film. Je pensais qu'il y aurait vraiment un esprit comme ça, début des années 80, mais musicalement, vraiment ancré dans la musique. On parle beaucoup dans le pitch aussi des radios libres, etc. Je pensais qu'on ressentirait beaucoup plus cette ambiance-là. Et en fait, non. Le film est extrêmement triste, extrêmement mélancolique dans sa tonalité. On est en province, dans une campagne vraiment qui ne fait pas envie du tout. On est à la fin des années Giscard, on arrive dans les années Mitterrand, donc on est plein d'espoir, tout ça. Il y a une envie et que moi, je trouve qu'on ne ressent pas du tout dans le film. Les personnages sont relativement ternes. On est dans un garage où il y a un père qui est extrêmement dur avec un fils aîné qui ne sait pas du tout où il va. On a ce frère cadet là qui justement lui noie sa mélancolie dans la musique, enfin la musique plutôt là, comme tu disais tout à l'heure, dans la construction de musique à partir de bandes magnétiques. Il a des magnétophones, il a des magnétos à bandes et il trafique tout ça. Il fait une espèce de musique expérimentale qui est fascinante et qui donne lieu, je pense, aux meilleures scènes du film, notamment cette scène en Angleterre où à un moment donné il investit un studio qui appartient donc à l'armée anglaise et où le DJ, enfin le présentateur, lui donne quasiment les clés du studio pour faire quelque chose. Et là, il va construire une espèce de symphonie baroque, expérimentale, noisy, complètement déjantée, en hommage à sa copine, à sa bien-aimée, qui est restée loin de là. Et ça donne une scène qui est, alors là, pour on peut le dire, qui est magnétique, parce qu'il construit vraiment quelque chose en direct. C'est extrêmement bien filmé. Et je trouve que tout le film aurait dû être à l'image de cette séquence-là, vraiment nous emporter vers quelque chose d'original. Et je trouve que le scénario ne tient pas ses promesses. Quoi. Mais moi, je pense que c'est surtout une histoire familiale, une histoire entre deux frères. Et quant à la musique, à mon avis, il y a des problèmes de droits. Ça coûte tellement cher dans le budget d'un film, les droits. C'est pour ça que finalement, on ne retrouve pas forcément cette ambiance du début des années 80. Là, on va parler d'un autre film qui, lui, a du budget. SOS Fantôme, qui est sorti dans les salles il y a un peu une dizaine de jours. Ah non, c'est la semaine dernière, il y a 5 jours à peu près. Et donc SOS Fantôme, l'héritage, c'est le quatrième du nom. C'est réalisé cette fois-ci par Jason Reitman, qui est le fils d'Ivan Reitman, le réalisateur des deux premiers opus. On retrouve Finn Wolfhard au casting de ce film. Vous avez vu ce gamin dans la série Stranger Things, entre autres. Et c'est une comédie d'action donc à découvrir. On regarde la bande-annonce du film et on en parle avec Jérôme juste après. Maman, il était quoi comme scientifique, grand-père ? Franchement, j'en sais rien. Je l'ai trouvé dans mon salon. Pas si vite. Ce truc est authentique ?
Dans une ville qui est loin de toute faille sismique, il y a un tremblement de terre par jour. C'est quoi ça? C'est peut-être l'apocalypse. SOS Fantôme, l'héritage à voir en salle. Il faut savoir que c'est la suite directe au deuxième film sorti en 1989 qui s'y déroule une trentaine d'années après justement ce dernier. Alors Jérôme, SOS Fantôme, est-ce que ça valait le coup de faire revenir ces fantômes-là au cinéma? Alors c'est vrai, c'est encore une de ces suites très lointaines, donc 20-30 ans après le début de la franchise. Donc il y avait de quoi être inquiet, parce qu'en général, pour être franc, moi, ça ne fonctionne pas du tout sur moi, ce genre de suite. Et là, alors SOS Fantôme, en plus, moi, à titre personnel, c'est l'un des films les plus importants de mon enfance, clairement, si pas le plus important. Donc j'étais un peu nerveux à l'idée d'aller le voir, vraiment. J'étais pas du tout pris par la campagne de promo et tout, et je vais être franc, ça a marché à fond. Mais à fond, à fond, à fond. Alors, c'est pour ça que je vais faire ça en deux parties. Objectivement, si on a juste vu ces films ou même si on les a jamais vus, je dirais que c'est un film sympa qui fonctionne bien, avec un peu d'humour, un peu d'émotion, de bons effets spéciaux, une histoire correcte qui met un tout petit peu de temps à se mettre en place à un moment, mais une fois que ça part bien. Donc voilà. Par contre, en tant que fan absolu de la saga, alors là, ils sont venus me chercher complètement. Ils réutilisent de la musique, ils réutilisent plein d'effets sonores. Il y a aussi énormément de détails sans cesse à l'écran, des petits détails visuels, parfois cachés dans le décor, parfois moins, des détails de l'histoire, des noms, des choses. Enfin bref, j'étais tout le temps, en fait, nourri, si vous voulez, dans mon amour pour ces films, et ça a complètement marché sur moi. Voilà, j'ai adoré. C'est bien la première fois que ce genre de truc fonctionne aussi bien sur moi. Surtout pour une énième suite, parce qu'on parle du remake qu'il y a eu avec des nanas, qui a été une catastrophe. Mais c'était honteux, c'était en dessous de tout, j'étais furieux. mais j'étais furieux quand j'étais sorti de la séance à l'époque. C'est pour ça aussi que j'étais très nerveux à l'idée de ce nouveau film, et vraiment, mais ça m'a bouleversé, ça m'a même ému à certains moments. J'avais 8 ans à nouveau, c'était hallucinant. Donc cette sensation-là au cinéma, quand elle revient, c'est énorme. C'est ça, c'est rare. On imagine qu'il y aura un podcast 24 FPS consacré à ce film. Bien sûr. 5-6 heures, voire plus, sur le film. Non, mais vraiment, ça vaut le coup. Et je pense que ça peut fonctionner sur tout le monde, vraiment. Et voilà, SOS Fantôme, on va découvrir dans les salles. Allez, on va passer à quelques actualités. On va commencer avec Peter Parker, c'est Spider-Man qui va devenir Fred Astaire. Voilà, on fait un gros bond, on peut le dire. Alors que les rumeurs se multiplient depuis quelques temps sur de nouveaux épisodes de Spider-Man avec ou sans Tom Holland, le comédien lui a confirmé qu'il endosserait bientôt le costume d'un acteur et danseur de légende, Fred Astaire. Tom Holland devrait pas trop mal à se glisser dans le personnage puisqu'il a été vu il y a quelques temps dans une émission américaine qui s'appelle Lips Sub Battle, diffusée en 2017. Regardez le petit extrait, vous allez voir, et là on se rend plus compte. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling. Voilà, pas de date de tournage pour le moment, mais le film sera produit par le studio Sony Pictures. On continue avec une autre news et on va rentrer dans la matrice. Et oui, attendu pour le 22 décembre prochain, Matrix Resurrection, c'est le nom, se dévoile un peu plus cette semaine avec une nouvelle bande-annonce. Une version finale est vraiment spectaculaire, vous allez le voir. Et comme dans les trailers précédents, en fait, on retrouve Neo et Trinity, dont la mémoire est visiblement défaillante. Petit à petit, ils vont se réveiller et prendre conscience de leur destin qui se trouve à nouveau lié à cette matrice. Voyez plutôt. Il est si facile d'oublier le bruit incessant que la matrice imprime dans nos têtes. Une seule autre chose fait le même genre de bruit. La guerre. Matrix numéro 4 à découvrir le 22 décembre dans les salles. Et enfin, biopic, et oui, après
la vie, entre autres, sur scène. Enfin, sur scène, oui, il a été sur scène, mais sur grand écran avec Freddie Mercury, avec Bohemian Rhapsody ou encore Elton John dans Rocketman. C'est une autre star de la chanson anglaise qui va avoir droit à son biopic. Et c'est Robbie Williams. Sa vie, son œuvre seront bientôt au centre d'un film qui sera intitulé Better Man et qui sera réalisé par Michael Greasy, à qui l'on doit, entre autres, un autre biopic sorti dans les salles, The Greatest Showman en 2017, si vous vous souvenez, avec Hugh Jackman au casting qui incarnait l'artiste Phineas Taylor Barnum. Le film sur Robin Williams commencera donc son tournage l'année prochaine en Australie à Melbourne. Et c'est même Williams, qui n'a pas beaucoup d'expérience en tant qu'acteur, hein, à part quelques caméos à la télévision, qui devrait lui-même jouer dans Better Man. Eh ouais, et pas de date pour le moment d'annoncer. Allez, voilà pour les news. On va jouer avec vous dès maintenant la possibilité de gagner vos entrées. Il y a 15 jours, vous avez été nombreux à jouer et à remporter vos invitations pour voir le nouveau film de Nicole Garcia Amant. Bravo à tous et merci surtout aux distributeurs de nous avoir envoyé tant d'invitations. Et on joue une nouvelle fois et cette semaine, je vous fais gagner deux invitations, oui, pour deux personnes chacune. Une pour voir Les Tuches 4 et une autre pour voir Spider-Man No Way Home qui sort la semaine prochaine. Alors pour jouer, vous le savez, c'est facile, vous allez direction notre page Facebook, Vosges TV, vous nous écrivez en message privé. Et si vous reconnaissez cette fameuse bande-annonce cryptée, que j'ai bien cryptée pour vous, bien écoutez, c'est peut-être vous qui remporterez ces deux places, regardez. Celui qui n'aura pas son Turboman, ben moi je le plains. Chaque année à Noël, il va trouver... Tu l'as acheté au moins. C'est le cauchemar de ce père. Oh, pauvre ami. Celui qui n'aura pas son Turboman, ben moi je le plains. Ouais. Ben moi je le plains. Moi. Par les créateurs de Madame Doubtfire. Tu veux un Turboman pour Noël? Ouais, et tu voudrais aussi que je vienne dans tes bras? Je travaille à la poste et je suis un vrai timbré. T'as mal choisi ton jour. Si vous avez trouvé, dépêchez-vous, c'est peut-être la course également pour vous. Direction la page Facebook, un message privé, vous nous dites le titre du film que vous avez découvert avec vos coordonnées. Et les deux premiers, les plus rapides, hein, qui se manifesteront, gagneront leurs entrées. Une pour Les Tuches 4 et l'autre pour le prochain Spider-Man. Et on continue avec les films à l'affiche. Un film en sélection boîte à films à Épinal m'adresse Paralelas, film dramatique espagnol réalisé par Pedro Almodovar. Je pense que j'en ai déjà assez dit. Hein. Les spectateurs, par contre, 3,9 sur 5. Excellente note que tu es halluciné. Benoît, est-ce que ça vaut le coup? Oui, bah, Pedro Almodovar à la cote et toujours la cote. C'est vrai qu'il fait partie des cinéastes un peu intouchables, comme on dit, bon, à juste titre, puisqu'il a quand même réalisé des films assez magnifiques depuis le début de sa carrière. Donc, le précédent, c'était une sorte de film bilan un peu sur sa carrière, sa personnalité, etc., qui tranchait un petit peu avec ce qu'il avait fait par le passé. Et là, il revient un peu à ce qu'il sait faire le mieux, à savoir le mélo flamboyant, voilà, avec plein de sentiments, ce petit côté telenovela avec... des sentiments exacerbés, enfin, qui fonctionnent très bien. Je veux dire, ça serait n'importe qui ferait ça, on trouverait ça cuculapraline. Mais voilà, c'est Almodovar, et on est pris, on est ému, on a toujours un peu la larme à l'œil. Donc là, il met au centre de son film deux thèmes. D'un côté, la maternité, la transmission, le rôle de la mère, la relation mère-enfant. Et puis de l'autre côté, ce qui est un peu nouveau dans son cinéma, c'est l'histoire de l'Espagne, de son pays, à travers notamment donc la guerre d'Espagne, et où il met en scène donc Penélope Cruz qui demande à ce que une fosse commune qui a été retrouvée soit fouillée pour faire ressortir les restes de son arrière-grand-père et de lui donner une sépulture digne de ce nom. Donc le film est surtout axé, j'ai envie de dire, sur la relation entre ces deux mères-là. Donc, qui ont un enfant. Alors, très difficile de ne pas spoiler ce film-là, parce que y a beaucoup d'éléments, de renversements de situation, enfin de choses qui font que le film tient grâce à ça. Donc, on va dire que ce sont deux mères dont le destin est parallèle, qu'on va suivre pendant tout le film, et qui vont être liées intimement par une histoire d'enfant. Voilà. C'est extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Almodovar a toujours cette capacité de mettre en scène des personnages dans des situations, dans des intérieurs extrêmement bien travaillés, notamment au niveau des couleurs, au niveau du mobilier, avec un sens de la symétrie qui est vraiment très codifié, moi que j'adore chez lui. Alors certains diront, il fait toujours un peu le même film, on a l'impression d'avoir un film un peu best-of,
Mais quand on aime Almodovar, on ne fait pas la fine bouche. Et même si c'est un Almodovar, j'ai envie de dire mineur, ça reste malgré tout un très bon film. Voilà, bon film à voir en salle cette semaine. On continue avec un autre film. Je voulais juste noter que Penelope Cruz, elle a reçu le prix à Venise cette année de la meilleure comédienne justement pour ce long métrage. Autre film à l'affiche cette fois-ci, c'est Compartiment numéro 6. C'est Cécile qui va nous en parler. C'est une comédie dramatique finlandaise réalisée par Juho Kuomanen, j'aurais pas dû me lancer là-dedans, qui récolte tout de même 3,8 sur 5 sur Allociné. Cécile, ça vaut le coup. Oui. Bah, c'est très bien, tu as dit le nom du réalisateur à ma place. Alors, je n'ai pas fait comme Jérôme, j'ai pas mis le t-shirt compartiment numéro 6. Parce que, il n'est encore pas sorti. Il n'est pas encore sorti. mais ça mériterait presque. Hein. Ah, alors, c'est le Grand Prix à Cannes, c'est en quelque sorte la palme d'argent. Et franchement, il aurait peut-être mérité la palme d'or. C'est l'histoire d'une Finlandaise qui est étudiante en archéologie, qui doit aller à Mourmansk pour aller observer les pétroglyphes, qui sont des gravures rupestres sur rochers. On est en 1996, alors on le sait seulement assez tardivement parce qu'il parle du film Titanic. Mais sinon, je croyais être dans les années 80. Alors, j'ai retrouvé un point commun avec les magnétiques. Alors, les films avec les Walkman avec des cassettes et puis les écouteurs orange en mousse. Hein, ça, c'est vraiment. Il y en avait encore fin des années 90. Mais oui, il y en avait encore. Tu veux dire que t'en avais un, c'est ça ? C'est ça. On recyclait. Donc, c'est l'histoire de ces jeunes femmes qui traversent toute la Russie pour aller à Mourmansk. Elles partagent un compartiment numéro 6 avec un jeune russe. Qui est tout le temps saoul, et pourtant il y a quelque chose qui va se nouer entre eux. On a cette chanson Voyage, voyage qui rythme le film. Alors, forcément, on est en terrain connu. Et c'est un film où il y a une mise en scène véritable avec caméra portée, des plans séquences, et puis alors on est vraiment dans la glauquitude de la Russie de cette époque-là, donc c'est quelques années de transition avant que la Russie devienne celle de Poutine. Bon, on n'a pas envie d'y aller. Hein. On n'a pas envie d'y aller, mais on a envie de suivre cette femme on a envie de dans voir son le film. Itinéraire. Oui. Ça, le film, voilà. Il faut aller le voir, oui. Palme d'or pour Cécile cette année. Oui. Il faut rappeler que c'était Titan qui l'avait eu, et là, ce film-là, il divise. Oui. Autre salle, autre ambiance, on va partir du côté des morts-vivants avec Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Alors on oublie Mila Jovovich, c'est un reboot, on continue. Si vous ne connaissez pas Resident Evil, c'est un film d'horreur américain. Cette fois-ci, c'est réalisé par Johannes Roberts. Et c'est Jérôme qui nous en parle. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça valait le coup de tout refaire, de tout balayer et de recommencer ? Alors oui, ça valait le coup de tout refaire parce que chacun des films précédents était à chaque fois plus lamentable que le précédent. On est d'accord. mais sinon, non, en fait. Non, c'est très mauvais. Et je remarque que Jérôme souffre beaucoup au cinéma. Quand même. Oui, bien sûr, ça m'arrive beaucoup. Mais non, c'est très mauvais, mais pour des raisons complètement différentes des films d'avant, en fait. Parce que là également, on va chercher les fans des jeux. On est beaucoup plus proche de l'histoire des deux premiers jeux cette fois-ci. On reconnaît les personnages, on reconnaît plein d'éléments, pareil, du décor, des accessoires, plein de choses. Mais ils savent pas, enfin je veux dire, les acteurs sont pas bons, l'histoire est pas bonne, il y a aucune direction d'acteur non plus. Même en tant que film qui essaye de faire peur, ça échoue lamentablement la plupart du temps. Il y a même des effets spéciaux franchement vilains. C'est juste ça vaut pas le coup, bête. Quoi. Non, ouais. Je crois que le jeu interdit au moins de 16 ans, là ça interdit au moins de 12, déjà c'est pas raccord, parce que justement quand on y va, il faut y aller. Quoi. Oui, bon, oui, on essaye d'appeler un public un peu plus large. Voilà, 2,1 sur 5 sur Allociné côté spectateur, c'est pour dire que le film n'est vraiment pas bon. Non. On continue avec Benoît qui va nous parler d'un film français. Ça s'appelle Les choses humaines. C'est réalisé par Yvan Attal. C'est un drame judiciaire avec Ben Attal et Charlotte Gainsbourg. Il a pris la famille pour faire le film. Donc 3,8 sur 5, c'est bien meilleur. C'est bien. Je pense que là, on a un bon film. Sans aucun problème. Donc c'est adapté du roman de Karine Thuil qui était sorti en 2019, moi que j'avais lu à l'époque et que j'avais trouvé vraiment formidable. Très intéressant, qui parlait bien de cette période post-MeToo et du rôle de ce que peut être le consentement dans une relation sexuelle. Et donc là, Yvan Attal s'empare du film et propose vraiment une relecture, mais vraiment très, très, très conforme au roman. Moi, j'ai l'impression de revoir ce que j'ai lu il y a quelques années, avec une construction quasi identique. Et je trouve que ça fonctionne bien, parce que tout ce qui était clair, tout ce qui était de manière vraiment explicité, de manière très claire dans le roman,
ressort de la même manière dans le film. Alors, il y a Ben Attal, que moi, je n'avais jamais vu au cinéma, donc qui est le fils de Charlotte et d'Yvan Attal, qui a exactement la même voix que son père, mais c'est vraiment troublant, quoi. Au début du film, on a l'impression que c'est lui, qui s'en sort plutôt pas mal dans un rôle qui est pas facile, un rôle d'adolescent, donc qui est pris dans la tourmente, c'est-à-dire qu'il est accusé d'être un violeur, alors que lui, il est persuadé que la relation, elle est consentie avec sa copine. Donc le film raconte en flashback donc, le début de cette relation jusqu'au moment fatidique où elle a lieu, avec au final une scène de procès qui est magnifique, parce que vraiment, elle résume tout à fait le propos du film. Alors c'est un film qui est extrêmement didactique, qu'on peut très bien aller voir avec des élèves, avec une classe justement pour évoquer le sujet, et qui n'est pas un grand film en termes de mise en scène, en termes de jeu, mais qui a vraiment ce côté, comme on disait dans le temps, côté dossier de l'écran, et qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà, encore un film à découvrir, film français toujours dans les salles, on vous invite à aller les voir. Allez, avant de se quitter, on fait le point sur les événements cinématographiques à voir dans les Vosges. On commence avec un ciné-concert de Gorillaz qui aura lieu au Ciné-Palace d'Épinal. Alors, ils ne sont pas là, hein, c'est un ciné-concert, c'est-à-dire qu'on va voir le concert sur grand écran, bien sûr. C'est ce mercredi 8 décembre à 20h. Autre avant-première, hein, parce qu'il y en aura pas mal, vous allez voir, du film Zaï 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 avec Jean-Paul Rouve. C'est ce dimanche 12 décembre à 16h35, toujours au Ciné-Palace d'Épinal. Une autre soirée à Épinal, soirée échange avec le film Goodman de Marie Castille, mention char. Et il y aura la présence du scénariste du film qui sera là pour débattre. Après, ça c'est le jeudi 9 décembre à 20h. Du côté du Majestic, le France de Remiremont, c'est pareil, pas mal d'avant-premières cette semaine à découvrir, avec entre autres le film avec Didier Bourdon et Josiane Balasco, c'est Mes très chers enfants. Le film sera diffusé le mardi 14 décembre à 20h30. Et du côté des sorties, à voir à partir de ce mercredi le nouveau film de Steven Spielberg, là il fait un remake, c'est West Side Story, qui est de retour et qui paraît que c'est très bien. Et Les Tuches numéro 4, bien sûr, vous avez été nombreux déjà à voir le film en avant-première la semaine dernière. Et à partir du 15 décembre, vous pourrez voir Spider-Man No Way Home, justement, vous avez vos places à gagner, n'oubliez pas. Et le film La Panthère des Neiges, et là, ça récolte quand même pas mal de bons suffrages un petit peu partout. C'est à découvrir à partir du 15 décembre. On vous souhaite de passer du bon temps dans les salles obscures. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site Vosges TV. Bon cinéma et à très bientôt. Merci à tous les trois.